pleine forme. On se retrouve dans un nouveau retour de course dans la nouvelle cuisine. Good morning. Bonjour. Good morning. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Hop là, je redépose le bébé. Il est prêt, papa? Non. Hop, il va aller tout près, papa, parce que moi je dois montrer les courses. Je ne sais pas montrer les courses du monde. Si. Non. Elle va pas battre des limites. Quoi? Quoi couvert? Dis, papa, tu prends le bébé? Papa, il est grand. Ou mieux, prends ta boire dans ça alors qu'il y en a dans le frigo. Papa? Il t'en reste une. Papa? Allez. J'espère que vous allez bien, vous avez entendu, tout le monde est là, tout le monde va bien. Donc on est allé faire les courses, c'est vite, c'était vite de chez vite, il n'y avait plus rien, on avait été en fois du stock. Donc voilà, on va commencer ce retour de course à Intermarché, j'ai encourté pour 502 euros et j'ai beau faire attention, mais à chaque fois on se laisse emporter, mais vraiment on se laisse emporter. Donc j'ai repris de l'Alpro un peu à tous les goûts, le premier que je saisis c'est celui-ci, c'est Coconut. On va essayer, on verra, j'ai aucun... Ils n'ont jamais goûté le coconut, je pense. J'ai repris deux bouteilles comme ça de Paquito, j'en ai une ici, la deuxième est là-bas. J'ai repris à manger pour le lapin. Donc du coup, je lui ai repris des petits granulés comme ça aux légumes, aux herbes, etc. J'ai pris deux paquets différents parce que je ne sais pas ce qu'il aime. Donc il goûtera. Comme vous l'avez vu, j'ai pris un gros pack de coca pour le grand barbu. Je pousse un peu tout parce que c'est le bordel. Enfin, c'est pas le bordel de la cuisine, mais c'est le bordel à cause des cris. J'ai pris ça, Nestlé, lait biscuité pour Sandro. Oui, non, c'est le bordel par là parce qu'on emménage, mais attention, ici ça va. Attention, vous avez sûrement remarqué. Alors, mon poteau est là. Ouais. On a un peu de cris de mie. J'ai repris des boulettes sauce provençale. J'adore ça. Ah, sûrement, il paraît. J'ai repris des boulettes sauce liégeoise. J'ai repris un peu des crasses comme ça, c'est des viadelles, les enfants en ont mangé hier de la friterie et ils ont bien aimé. Non, moi j'ai mangé une mitraillette. Oui, j'ai repris des frites allumettes. Voilà, j'ai repris des petites boulettes comme ceci, rôties, toutes simples. Ça aussi, ils aiment bien. On a repris de la saucisse, alors c'est mélangé, vous le verrez, mais voilà. On a repris de la saucisse, c'était en promo. Voilà, j'ai repris du jambon pour faire les tartines des enfants. J'ai repris... des carottes, voilà, des carottes en rondelles, toutes simples. J'ai repris de l'huile d'olive parce que là j'en avais plus, j'ai pris cette marque là, je ne connais pas du tout. Moi je me suis dit du moment que c'est de l'huile d'olive pour cuisiner, le restant je m'en fiche un petit peu. J'ai repris du cheddar pour mettre sur les pâtes. J'ai repris des légumes pour ratatouille, je me suis dit avec le riz, ça peut être pas mal. Ratatouille c'est neutre. Toujours en légumes, j'ai repris des brocolis. Voilà. Ah ouais, anecdote, elle nous avait dit, pas de sauce, ça va fondre, le légume de brocoli. Oui, le légume de brocoli, je suis fatiguée. J'ai repris deux, comme ceci, de chipolata. J'ai repris deux packs comme ceci, déjà préfaits de couscous. Donc en fait, il y a les légumes et il y a le couscous. Non, je vais rien dire. Si, c'est un plat marocain, je pense. Voilà, j'ai pris pour 4 personnes, mais parce que je me dis que les enfants ne vont pas spécialement en manger, enfin ça dépend qui en mangera, mais ils ne sont pas spécialement fans. J'ai repris du trois fromages, pâturage comme ça pour faire le petit gratin de légumes. J'ai repris un de petits babybel, j'en ai pris deux pour les collations sucrées, salées. On a repris encore un pack de saucisses. On a racheté un chat. Un pack de chipolata. On a racheté un chat. Un petit pack de comme ça pour mettre dans du riz. J'ai repris du fromage comme ceci de chèvre râpé. On va goûter, on a bien le fromage de chèvre, donc normalement ça devrait aller. Et j'ai repris une crème Viadermine Leaf Botology de nuit pour essayer de comment dire. Alors, c'est du thé vert, du thé noir, puissant antioxydant qui prévient et réduit les rides. C'est de l'acide hyaluronique végétal, hydraté à PS. C'est un actif botanique, donc normalement ça retend un petit peu la peau. Donc j'essaierai, je vous dirai quoi. Voilà. C'est la marque Diabdermine. Je connais la marque, mais je n'ai jamais essayé. Voilà déjà un premier sac de vidé. Ensuite, j'ai repris un max pack comme ceci de démaquillant. Hop, j'ai repris ceci pour cuire à l'air fryer. Des fricadelles, du poulet croque et des carrés bons. Voilà, pour les jours où t'as flemme.
C'est pas mal. J'ai repris deux paires de pantoufles même. Alors celle-ci, c'est les 37. Voilà. C'est pour Zoé. Et moi, je me suis pris exactement les mêmes. C'était 5 euros. C'était chez l'intermarché. Je me suis pris exactement les mêmes en 39. Donc voilà. On a repris du boudin blanc. Ça, c'est pour les amateurs de boudin. Ça va pas moi parce que j'aime pas le boudin. J'ai repris du roico comme ceci pour moi le midi. Avec des petits vermicelles. Avec des petits vermicelles. J'ai repris de la citronate. Comme ceci, Paquito, ça les enfants, ils kiffent. J'ai repris de l'eau micellaire expert, anti-résidu, pour tout ce qui est make-up, waterproof, etc. 90% de la petite bouteille est recyclée, est recyclable, voilà, c'est de la marque Nivea. J'ai repris du Fetella, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. J'ai repris des petits 5 marqueurs comme ceci. Enfin, ça crée grâce marqueur, mais vous voyez ça comme ça. Et en fait, ils sont fort larges. Et ça, je trouve ça juste génial pour les tout petits comme Angie ou Sandra. On a repris 3 paquets de petits pains mous à congeler pour mettre dans les tartines des enfants. J'ai repris 1 kg de riz pour. Parce que j'en ai plus du tout, j'étais vraiment au bout de ma vie. Ils ont repris 2 packs de CCML pour. Angelina, vous savez, vous connaissez. Oula, et là, c'est pas toi. Vous connaissez, j'ai trouvé ceci, j'en trouvais pas avant. Des yaourts. C'est des yaourts, mais c'est alors c'est du yaourt blanc, qui est déjà pré-sucré. Donc voilà, au sucre il de cam. Il n'a jamais assez sucre. Au sucre de cam, je pense que lui va bien aimer. Toujours de la marque Nivea. Enfin, je sais pas, non, c'était déjà Dermine avant. Ah non, le micellaire, c'est Nivea. J'ai repris ceci à peau. Comme ceci, du lait nourrissant, parce que je vous avouerai qu'avec les travaux, il y a la chaux, etc. Et on a un peu bouffé bras chaud, donc ça va faire du bien. J'ai repris de l'eau précieuse, ça c'est important pour moi, mais pour les futurs ados aussi. Ça purifie la peau, et ça évite d'avoir des points noirs et des boutons. Donc voilà, tu mets ça sur un petit coton. Sauf que je n'ai pas, évidemment. Donc voilà, j'ai repris de l'Elmex pour moi, qui renforce, parce que les enfants en ont encore. J'ai repris du perdelet au citron. Ça, c'est pour moi le matin. Du perdelet qui est à moins 30%. Il est déchiré d'ailleurs parce que c'est à moins 30% visiblement. Celui-là, c'est le naturel. Ils se sont arrachés dans les rayons. Hop, et j'ai repris des gommes pour les grands parce qu'ils ont reçu à Pâques des blocs de dessin par leur mamie et elle n'avait pas pris les gommes. Allez, va dessiner. Ensuite, j'ai repris du lait de coco pour faire le poulet coco avec du riz. J'ai repris un deuxième bidon de Paquito de jus d'orange. J'ai repris 12 œufs pour faire des omelettes, etc. Ensuite, j'ai repris 2 pots comme ceci de béchamel déjà toutes faites. C'est plus facile, ça va très vite, je ne me prends pas la tête. J'ai repris du vanish parce que ça non plus j'en avais plus. J'ai pris l'Oxy Action Extra Hygiène pour me dire de désinfecter un peu notre linge. Le grand barbu a pris des crêpes sucrées toutes faites. Il avait faim visiblement. Il a repris des gaufres aux abricots. Il avait juste faim. Il avait faim. Il a repris une rassonnée ce type. Au riz. Oui, il est rationnel. Je vous jure, il est. En plus, il est derrière là, derrière la caméra. Oui, il va encore piler dans le frigo pour regarder. Hein. Des petites boules de Berlin. Il a par là. Il a par là, je t'ai dit. De la sauce Hannibal, ben, vous savez pour qui c'est. Je fais quoi avec ça? La personne qui mange déjà. C'est dégueulasse, j'en avais en plus, j'en mettais un gros gros bidon comme ceci à pompe de jus de pomme poire. Quatre petites tomates comme ceci pour mettre dans une de mes recettes cuite évidemment parce que sinon je suis allergique. J'ai pris du cookies. Non, c'est du granola au chocolat pour moi mettre dans mon fromage blanc le matin parce que sinon je crève la dalle. Donc je vais essayer ça. En parlant de fromage blanc, j'ai pris un gros pot de fromage blanc comme ça pour moi. Les enfants, ils ont maman, on partage les granola au chocolat. On a pris. Je ne sais même pas qui aime ce truc. On a pris pour Zoé, elle aime bien ça, du Haiki Hot and Spicy. Alors ça, non, je ferai une pause. Qui aime ça? Moi, perso, c'est dégueulasse. On a pris de l'Alpro Vanille. Et de l'Alpro. De l'Alpro Chocolat.
Attends, j'ai une question. De l'Alpro chocolat, toujours. Comment ça, il y a un Alpro Coco qui s'est retrouvé au tout début du retour de course et maintenant elle a plus faim là. Parce qu'elle... Tu me donnes l'autre sac? Oui. Donc voilà, voilà. Et puis alors, il reste, je vais finir parce que il resterait les pommes de terre et le pack de lait, mais bon. Alors, là, il y a un qui cume des ailes. Ça a été porté par papa. Oui, ça a été porté par Dimitri. Voilà. J'ai repris des petits marqueurs comme ça pour Angelina. Encore des Encore du granola, mais celui-ci, il est au fruit de la forêt. Chocolat. Voilà. J'ai repris de la sauce andalouse. La barque à frites. Bon, ça, c'est pour les frites. C'est topissime. J'ai repris des élastiques double pack pour les filles parce qu'il n'en avait plus beaucoup. De nouveau du boudin blanc. Miam, miam. Ensuite, des Aiki Noodle. Alors, j'ai repris Sweet Chili pour Andy, pour Zoé. Et deux thai chicken. Oui. Ensuite, j'ai repris de la Rose Lemon's mayonnaise. Et ça, du Choco Milka. Ça, c'est trop bon, le Milka. Oui, il paraît qu'il est bon. Des laquements. Donc, ça, les laquements, c'est belge. C'est une gaufrette avec du sirop de liège dessus. Pour être diabétique, mais non, il faut pas être diabétique pour manger ça. J'en mange pas souvent. D'ailleurs, vous en avez pas souvent dans votre course. Deuxième paquet de Barry Blanc. C'est trop bon, mais sauf que. Deuxième paquet de sauce béchamel toute faite pour les flemmards. J'ai pris la tomate. J'ai de la tomate quoi? Oui, il y en a là. J'ai repris deux aptas différents. Alors, j'ai un apta fraîche comme ceci en dosette. Et je vais essayer celui-ci, deux en un, donc avec l'adoucissant qui est dedans, de la marque Apta, donc de chez. Truc, c'est la même chose, mais de marque Perturage. Donc, on a pris, comme ils appellent ça, les enfants, la tomate, le Nestlé, marque Nestlé, et on s'est rendu compte qu'il y avait la sous-marque Pâturage. Donc, on va goûter pour voir si les enfants ils aiment bien. En taille XXL, mon frérot. Donc, voilà, en taille XXL, en parlant de taille XXL, j'ai repris les Unstoppable. J'en ai pour un petit mois avec le Stoppable. Un deuxième paquet pour le lapin. Ici, c'est plus carotte, banane. Donc, voilà. Le chat, il a encore assez bien de croquettes, c'est pour ça qu'il n'y a pas. J'ai repris ça parce que j'ai un distributeur de savon pour laver les mains et je pense que je vais le mettre ici en bas et que je vais mettre le pouce-pouce en haut dans la salle de bain. Mais donc j'ai pris ça pour la marque Labelle, c'est pour le remplir. En fait, je vous montrerai ça, je vais filmer tout ça. J'ai repris des petits croutons pour moi le midi, mettre dans les croquettes parce qu'il n'y a jamais assez moi, hein, j'aime bien les croutons. Donc j'ai pris les croutons saveur oignon. J'ai repris de nouveau des autres croquettes pour moi. Alors j'ai repris, pourtant il y en a dedans, hein, tomates. Et j'ai repris volaille en plus. Ensuite, j'ai repris des capellini comme ceci pour faire une fois des pâtes bolognaises. J'ai la sauce qui. J'ai trois pots de sauce ici, donc je n'en ai pas repris. J'ai repris un petit pack de fromage, enfin de crème fraîche pâturette. Le grand Barbus a repris ses Pringles Hot and Spicy qui piquent pour rien, mais qui piquent quand même. J'ai repris, hop, juste pour le faire, hein. Deux packs de lardons, comme ça, vous savez, nous sommes. Ça dans les œufs, on fait les œufs ou alors dans le riz avec des légumes et du poêlée. Donc voilà, je ne sais pas si ça va passer les éboulés. Hop, j'ai repris de nouveau deux Alpro, mais cette fois-ci le goût banane, ça je pense qu'ils aiment tous. On essaye de se baser plus sur l'Alpro. J'ai quand même repris du lait normal, mais on essaye de mettre le plus possible l'Alpro. On a repris un peu plus de yogourt. On a un nouveau frigo qui arrive mercredi, donc on va pouvoir tout ranger mercredi, mais on est lundi soir. Donc normalement, il n'y a qu'une journée. Entre les deux, c'est en jicari. Donc c'est les onctueux. Alors il y a fraise, framboise, abricot nectarine et pêche. Et il y en a. C'est mixé, il n'y a pas de morceaux parce que les enfants n'aiment pas les morceaux. Et je pense qu'il y en a 12. Il y en a 16. Il y en a 16. On a repris de la mousse chocolat. Il y en a 8. Pour plus une personne qu'on citera bien sûr pas. On a repris deux pâtes à tartiner du diable. Et alors, elles sont très bonnes, hein. Très bonnes. Tu montres le lait normal et la pomme de terre. J'ai vu ça, c'est les pommes de terre, oui. Alors hop. Hop, un gros pack de pommes de terre comme ceci. Écoute, j'ai pas regardé lesquelles j'avais pris. Du lait normal, de la marque Pâturage, du lait entier, pour mettre dans les céréales, le café. Et ça a été montré, c'est le coca qui a été montré, et les graines. J'ai repris du coca, comme d'habitude, sans sucre, et j'ai repris quelques graines plantation pour mettre dans la serre de Madeleine. Alors si vous posez la question,
C'est mon fils, en fait, il adore faire de la plantation, pas celui qui est à côté de moi. Hein. L'autre, il adore faire des plantations, etc. Et donc, son frère n'a pas d'appeler Madeleine. Donc, il faudra que je regarde quand est-ce que je peux. Avril, mai, juin. Donc, je peux le mettre maintenant. Donc, c'est du coriandre. Ceci, on peut le faire ici au mois de mai. C'est potiron. Ensuite, toujours, c'est assez bon, c'est pour la saison de maintenant. Il est mis avril, mai, juin. C'est concombre. Celle-là, c'est pas possible. Là, on peut encore faire mai, juin. On peut encore planter mai, juin. C'est des petits oignons tiges de poireaux. Ici, on peut encore les. Voilà, jusque mi-mai, je peux encore les planter. On est encore dans le temps, donc ça va. J'ai de la laitue. Oui, c'est ça, la laitue. Ici, par contre, il va falloir se dépêcher si on veut les mettre, mais on peut les mettre l'année prochaine, pas de souci. C'est des tomates cerises, comme ceci. Le cresson, on peut le planter toute l'année. Donc voilà, c'est pour faire de la soupe. Et on a pris des rubans comme ceci, d'oignons du printemps. Et ça, je suppose, oui, qu'on peut le planter maintenant. Donc voilà, vous entendez le bébé qui pleure, quand je dis qu'il vient de rentrer. J'ai leur faire une devinette. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré au niveau des courses. Je n'ai rien oublié. J'en étais à 593 €. En sachant que je vais vous montrer une chose, parce que j'ai à chaque fois des gens qui viennent m'ennuyer avec ça, à me dire que... Oui, les enfants, ils n'ont jamais fait prêt, nanani, nanana, vous m'énervez avec ça. Donc du coup, je vous montre, parce que c'est ma maman qui achète les fruits. Donc je vous les montre, comme ça vous verrez que mes enfants ont des fruits frais. Et encore, il y a 3 bananes qui sont parties. Donc il y avait une main de banane complète, mais il n'y en a pas beaucoup parties ce matin. Il y a 5-6 poires, il y a 5-6 kiwis, et il y a des pommes, voilà. Dans le sac ici. Donc c'est normal que vous ne voyez jamais les fruits puisque ma maman en prend chaque semaine pour les enfants ainsi que les collations pour l'école. Voilà, mais bon, je me pose tout le temps la question. Voilà, mes enfants ont des fruits frais. Et je vais leur faire une devinette. T'es prêt? T'es prête? Non, toi aussi. Si trouver... jamais je la coupe, ça voulait dire que c'était impoli. Vas-y. Alors, c'est une devinette. En fait, c'est un roi, il veut offrir un cadeau à son fils. Et il demande au mage de la ville, trouve-moi un truc qu'on peut... manger si on a faim, boire si on a soif et brûler si on a froid. À vous trouver. Je vous donne un indice. Ça se trouve sur une plage. Ça se trouve sur une plage. Répondez dans les commentaires et je lui donnerai la réponse et je vous dirai qui a eu la bonne réponse. Toi, tu ne connais pas? Non, de toute façon, voilà, je ne dis rien. Donc voilà, vous aurez eu le premier retour de course dans la nouvelle maison. Vous avez juste eu le côté de la cuisine ici. On n'a pas eu grand chose. Il y aura un retour, mais là pour le moment, c'est pas le moment de faire le retour parce que là on est débordé. Mais on va tous très bien. Mais voilà, c'est compliqué. On vient d'être installé. On est dans les travaux, on est dans l'emménagement. Rudy, le frigo va arriver. Enfin, on est un peu dans le souk. On a déménagé il y a 2 jours. Donc voilà. Mais bon, vous aurez quand même eu le premier retour de course dans la nouvelle maison. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vais bientôt mettre le lien TikTok, ça diminue. Mais en tout cas, je vous remercie de tous vos messages d'encouragement pour le déménagement. Ça s'est plutôt bien passé. C'est un peu plus compliqué que prévu l'emménagement. Mais bon, voilà. On va s'en sortir comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans des weekly vlogs.